Yo, salut à tous les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, vous êtes avec Addictif et aujourd'hui on ouvre la Woodbox de décembre 2017, la dernière Woodbox de l'année, sortie en même temps que le dernier épisode de la saga culte Star Wars. Et donc bien sûr, cette Woodbox est à son effigie. Allez, tout de suite on ouvre le bouquin, comme d'habitude, c'est pour la fin, on se le met de côté et on commence par le premier élément de cette Woodbox qui ressemble à un carnet, déjà bien sûr, à l'effigie de Star Wars, vous l'avez compris. Allez, on déballe ça. Un petit carnet à l'effigie de BB-8, petit robot de Star Wars. Et voilà, c'est tout simplement un carnet de notes, ni plus ni moins. Voilà, toujours sympa à mettre sur votre bureau, dans votre sac ou tout simplement dans la voiture, ça peut servir. Allez, on remballe ça, on passe à la suite. Prochain élément, le Pins du mois, Pins exclusif Woodbox, encore l'effigie de Star Wars, et c'est l'écusson, l'emblème de la résistance. Voilà, si vous voulez aller au front, allez résister, c'est parti, vous avez déjà l'emblème qu'il vous faut à mettre sur votre blouse. Troisième élément, et ça colle vraiment au thème, on est en décembre, c'est Noël, et ben on vous offre les boules de Noël à l'effigie de Star Wars. Une rouge et noire, une dorée et noire, estampillé Star Wars. Elles sont vraiment classe. Voilà. Pour les gamers, pour les geeks, pour tous ceux qui aiment la culture vidéoludique, voici des boules de Noël qui fera fureur sur votre sapin. Voilà. Allez, on range ça, on passe à l'élément suivant. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une box complète Star Wars pour faire un petit clin d'œil à la saga qui sort son 8e volet au cinéma. Et on passe à la figurine, la Pop Funko spéciale Star Wars, et c'est la princesse Leia qui nous est présentée sur cette figurine. Très sympa, comme d'habitude chez Funko, les figurines pop, les Funko sont vraiment très stylées. Emballage soigné, figurine de très bonne figure, très bon rendu, le petit socle qui va bien avec. Ah, là je galère à la sortir, voilà. Okay. Et c'est une tête articulée comme on a déjà pu avoir dans les premières Woodbox de l'année, qui rappelle les petits chiens qu'on met sur les banquettes arrière des bagnoles. Voilà. Étant donné que vous avez le petit socle, vous pouvez le mettre dans la voiture, bien évidemment, visser ou coller, ou tout simplement sur votre bureau, étagère, ou n'importe où. C'est toujours sympa, une petite Pop Funko. C'est sympa à voir. Et je vous rappelle que c'est toujours de l'exclusivité Woodbox. Ça veut dire que vous n'aurez nulle part ailleurs cette figurine à part chez Woodbox. Et allez, on passe au dernier élément, le t-shirt, comme d'habitude, le t-shirt Woodbox. Ah, il est vraiment magnifique, il est vraiment magnifique. T-shirt exclu Woodbox, un TIE Fighter, un des vaisseaux de combat les plus efficaces de la saga. Et ben voilà, c'était le dernier élément. Je vais soigneusement le remballer. J'espère que cette Woodbox vous a plu. Woodbox du terme Star Wars. Tout de suite, on va passer au bouquin.
comme d'habitude, la communauté en première page. Ensuite, nous avons la liste de Noël de l'équipe Woodbox. Ah, ils en veulent des choses, surtout beaucoup de jeux, c'est pas étonnant. Ensuite, on passe au pack Logitech qui vous est proposé. Grosse liste de Noël de la part de Woodbox. Et la méga Woodbox du mois de décembre. Ça vous fera plaisir de l'avoir sous le sapin. J'en suis sûr. Un iPhone, le dernier cri des iPhones, à plus de 1000 euros. Et là, on fait le résumé. On avait le petit carnet, le pins, le carnet, les boules de Noël. Voilà le résumé complet de ce qu'on avait dans la box. Et voilà, on est au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Woodbox, vous aussi, pour avoir votre box tous les mois. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Vous étiez avec Addictive Gamer.